est synonyme d'anxiété. Comment allons-nous retrouver nos enfants? Ces mois derniers ont été très bons. Dieu bénit notre œuvre. Le niveau des études est dans son ensemble excellent. La conduite est bonne. Les consolations que me donne ce collège ne doivent pas cependant nous faire oublier que si le nombre des communions est en augmentation de 17 sur le mois d'octobre de l'an dernier, la piété reste toujours le point faible. Croyez bien que je sais ce que je fais. Je veux avoir, et j'ai eu jusqu'ici, un collège saint. Être saint, ce n'est pas seulement l'être dans les mœurs, c'est l'être dans l'esprit. Et il n'y a pas pour un chrétien de compromis possible avec l'esprit de hauteur. Nous sommes une famille. Nous devons nous sentir entre nous. Et les mouches, une seule mouche qui meurt dans le parfum, en gâte toute la bonne odeur. C'est vrai, voyons. J'ai rien, monsieur l'abbé, j'attends se plier. Les amitiés entre élèves de divisions différentes sont absolument interdites. De toute façon, ce n'est pas une fréquentation, tout le monde est à se plaindre de lui. Le professeur, les surveillants, ses camarades, des parents. Il m'a promis de se corriger. Il vous a promis. Vous vous êtes donc vu pendant les vacances? Juste quelques instants aux obsèques de mon père. Pensionnaire. Oh non. Et si, alors maintenant pour se voir, seulement le dimanche à 10h, à la sortie générale. Quand je suis loin, c'est une des choses qui me manque le plus. L'odeur du collège. À propos, tu connais la dernière? Le petit maison fort, celui que les types appellent la fauvette. L'autre jour, il me dit, gratte-moi la toiture. La toiture? Oui, les cheveux. Mais pourquoi tu veux que je te gratte les cheveux? Parce que ça me fait ronronner. Je t'entends pas ronronner.
Parce que je ronronne de l'intérieur. Allez, allez, on fait un petit effort encore. Alors, Fauché, il y a un petit effort. Quand même, il a de grosses jambes. T'as réveillé ce matin ? Mais tu connais rien, il a des jambes épatantes. Les Romains avaient des jambes comme ça. Je te dis qu'il est pato. Pato ? Il fait la course en tête. C'est vrai, Lainsbourg. Auriez-vous oublié que vous avez cours de grec ? Mais vos mains pleines d'encre. Toujours vos petites pattes chaudes et sales. Et jamais peignées, jamais. Ce genou, j'ai mal. Ce n'est rien. Juste une écorchure. Essuyez-vous avec votre mouchoir. Est-il propre au moins votre mouchoir ? Plein d'encre de stylo, bien entendu. Prenez le mien. Vous me le rendrez après l'étude. Mais ne dites à personne que je vous l'ai prêté. Cela ferait encore des histoires. 208. Relevez-vous et allez vous laver la fontaine. 211. Florent, 215. La prochaine fois, il réfléchira avant d'agir. Mais il n'y aura pas de prochaine fois, n'est-ce pas, mon enfant ? Non, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, monsieur Pluyel. Quelqu'un viendra chercher ce pli demain matin. C'est pour la revue Le Dieu vivant, un article qu'ils m'ont commandé. Je serai impatient de vous lire, monsieur l'abbé, quand ce sera publié. Oh, vous savez, monsieur Pluyel, répondre à la question « Qui est Dieu ?» en 9 feuillets à double interligne. Mais l'avantage de la métaphysique, c'est qu'elle ne se rebelle jamais. Alors on peut tout lui verdir. Je vous souhaite la bonne nuit, monsieur Pluyel. La nuit sera froide, monsieur l'abbé. Votre mouchoir, monsieur l'abbé. Je ne veux plus de cette association entre vous et ce vrai. N'empêche, il y en a bien d'autres. Et on ne leur dit rien. Je n'ai pas à vous dire pour quelle raison il nous arrive de fermer les yeux. Et puis si, je vais vous le dire. Ce n'est un mystère pour personne au collège que je m'intéresse à vous. Et tout ce que j'essaye de faire en vous, il faudrait que cela fût défait par ce garçon que je ne connais pas. Bon, je le connais de réputation. Ce vrai, c'est le meilleur. Le meilleur. Il est intelligent, brillant. Il passe pour aimer les sentiments honorables, oui, mais c'est un petit faiseur. Trop indépendant et sûr de soi. Vous, vous êtes le type du gosse à histoire. Je n'ignore pas que vous avez rencontré ce vrai dans le hall. Oh, un instant seulement. Tout à l'heure, à la sortie des externes. Et c'était pour vous dire quoi ? Rien. Bien entendu. En un an, vous avez été à deux reprises sur la liste des élèves à renvoyer. Et deux fois, j'ai obtenu de monsieur le supérieur que votre nom fût effacé. Je me rends presque ridicule, à force d'intervenir sans cesse.
Vous écoutez ce que je vous dis? Oh oui, monsieur l'abbé. Alors répétez. Vous dites que j'ai été dissipé à la messe. Il n'y a pas de question de cela. Vous me feriez extrêmement plaisir si vous ne tripotiez pas les objets sur mon bureau. Vous savez bien que je suis mal élevé. Je le sais. Je suis fatigué de vous supplier. Affreusement fatigué de vous. Vous êtes une âme pénible. Il y a des moments où je me demande si vous valez tout le mal que je me donne pour vous. Monsieur l'abbé, je vous promets cette fois. Je suis fatigué aussi de vos promesses. Vous direz que M. l'abbé de Prats est en conférence avec M. le supérieur et ne peut pas être dérangé en ce moment. Où en étions-nous? Ah oui, je vous disais que je suis fatigué de vos promesses. Les autres fois, j'avais seulement promis. Mais cette fois, c'est juré. Oh, vous dites ça, mais je sais bien que... Oh, alors, si vous savez bien... Non, non, mon petit, il ne faut pas que vous croyiez que ce que vous dites est sans valeur pour moi. J'ai beaucoup pensé à vous ces jours-ci encore. Comme en juin dernier. Quand mon père était à l'agonie, quand vous voulez vous renvoyer.